Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Des déguerpissements de trottoirs occupés par les commerces dans la commune de Yopougon sont prévus après les fêtes de fin d'année. Cette annonce est faite à l'occasion de la 10e édition de la semaine de la sécurité routière. L'achat des billets en ligne pour assister au match de la CAN 2023 est désormais disponible. Découvrez le site internet de vente en ligne dans ce journal. Et les filles de l'Atlético d'Abidjan disputent leur 3e match en Ligue des Champions féminines ce 11 novembre. Comment doivent-elles affronter les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns ? Les solutions d'une coach dans ce 7 minutes. La campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a pris fin le vendredi 10 novembre à Yopougon. La présentation de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière, la révision des codes de la route, le renforcement de la signalisation et l'état des lieux de l'occupation anarchique des trottoirs ont été présentés aux populations. Sur le dernier point, la commune de Yopougon va entreprendre des déguerpissements des trottoirs occupés par les commerces après les fêtes de fin d'année. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de piétons qui étaient fauchés parce que eux, l'espace qui leur était réservé est occupé par les commerces. Donc automatiquement, ils sont obligés de prendre la chaussée qui est la voie dédiée donc au véhicule. Débutée le 3 novembre dernier, la 10e édition a eu pour thème « Cohabitation des usagers dans la circulation pour une route plus sûre ». Tout se prépare pour améliorer la sécurité routière à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il faut dire que nous avons commencé à recevoir les différentes populations. Nous avons reçu la corporation des transporteurs, des commerçants et même des chefs coutumiers religieux. Nous les avons déjà reçus afin que le message soit porté. Et nous avons un outil d'information au niveau de la commune de Yopougon qui est la radio Yopougon qui fait passer en boucle ces messages du maire de la commune de Yopougon. Pour rappel, la Semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023. L'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents. En hommage à Pierre Ouédraogo, écrit-il dans ce livre d'or destiné à celui qu'on qualifiait de champion de l'Internet en Afrique. Je dirais le grand prêtre du numérique aujourd'hui en Afrique. Donc, en parallèle, nous n'avons pas pu bénéficier de tout ce qui est retombé direct, mais par ses filleuls, qui aujourd'hui sont les pionniers du numérique, on va dire, en Côte d'Ivoire. Donc nous aussi, nous suivons les pas. Pierre Ouédraogo, mort le jeudi 13 juillet 2023, reçoit aujourd'hui les hommages de ses filleuls de l'Association ivoirienne pour Linux et les logiciels libres, créée en 1999. L'organisation, dont le but est de promouvoir les logiciels libres en Côte d'Ivoire, avait pour fer de lance Pierre Ouédraogo, qui gérait la direction de la francophonie numérique à l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant des décennies, il a consacré sa vie à la promotion de l'utilisation du numérique en Afrique et ailleurs dans le monde. Grâce à sa détermination, son leadership et sa passion, Pierre a contribué à faire progresser le développement des TIC en Afrique en contribuant à l'essor des infrastructures de communication à travers le continent d'une part et à la mise en place d'instances de gouvernance de l'Internet d'autre part. En présence de la famille de l'illustre disparu, l'association entend perpétuer l'œuvre de l'homme en instituant un prix et une bourse d'études nommée Pierre Ouédraogo destinée aux étudiants doctorants dans le domaine du numérique. Nous tenons aussi à remercier la francophonie et tous ces Ivoiriens qui ont été à ses côtés tout au long de son parcours, qui l'a formé, mais aussi les personnes avec lesquelles il a su tirer aussi les enseignements. Et nous sommes très honorés, vraiment très honorés que la Côte d'Ivoire lui rende cet hommage et lui offre ses bourses et ce prix en souvenir de son œuvre. Pierre Ouédraogo, inhumé le 25 juillet 2023, était originaire du Burkina Faso, ancien officier de l'armée de l'air et ancien compagnon de Thomas Sankara. C'est le jour J. Pour la toute première fois de son histoire, la Coupe d'Afrique des Nations ouvre sa billetterie en ligne. Avec des prix allant de 5 000 à 15 000 francs CFA par ticket pour la phase de groupe, chaque personne soucieuse de sécuriser son billet le peut sur le site ticket.cafonline.com/afcon, grâce au paiement par carte Visa, et ce, dans la limite de 6 billets par ménage. La billetterie en ligne améliorera l'expérience des fans de football africain et du grand public. Le soutien des parties prenantes a été important et nous espérons répondre aux demandes croissantes des fans et du grand public. Pour les personnes ne disposant pas de carte Visa, tout n'est pas perdu. La Confédération africaine de football a annoncé que seuls 25% des billets pour les phases de groupe sont destinés à la vente en ligne.
Après un match nul concédé au Sporting Casablanca, les filles de l'Atlético d'Abidjan ont peiné à s'imposer face aux Tanzaniennes du JKT Queens. Seule solution pour elles afin de se qualifier, vaincre les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns le 11 novembre. Mais tout n'est pas perdu. Il faut qu'elles jouent collectivement. Et physiquement aussi, il faut qu'elles utilisent le deuxième souffle. Parce que l'Afrique du Sud, ça va vite. L'Afrique du Sud, ça va vraiment vite. Donc voilà le problème de l'équipe de Côte d'Ivoire, le club de Côte d'Ivoire qui est l'Atlético. Reste à voir si les filles de l'Ancina Dao sauront se sortir victorieuses de cette situation et pourront ainsi continuer sur leur lancée de 2021. 2021, année où elles ont été sacrées championnes de Côte d'Ivoire de football et sont restées invaincues durant la saison 2022-2023. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.